super bon, hein. Non? Non, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. C'est très bon, le concombre. C'est surprenant. Non, mais merci. C'est toi qui l'as inventé, ça? Non. Qui l'a inventé? Impossible à savoir. Ah bon? Ouais. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les cocktails? Non. J'ai essayé, mais non. Donc, tu peux inventer le meilleur cocktail du monde et tu ne touches pas de droit, quoi. Non. C'est hard. C'est pas un bon métier, là-bas. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il y a des recettes où tu les trouves sur Internet? Non, j'en crée. Voilà, par exemple, le West, c'est moi qui l'ai créé, et il y en a d'autres comme ça. Le West, pour vous. Le West, c'est quand même le seul cocktail qui a obtenu 20 sur 20 ici, quand même. C'est grâce au nom ou au goût? Pas du tout, c'est parce qu'il était super bon. On n'a jamais eu un aussi bon cocktail après. Tu connais Botton, toi? Oui. Tu l'as connu quand? 45, 46? Oh. Tu m'aimes pas? J'étais encore dans mes en barboteuse à cette époque. Mais je l'ai connu les années 70 ou... Alcazar. Alcazar. Ouais. Voilà. Tu sais, quand je suis arrivé à Paris, moi, tous les soirs, j'étais à l'Alcazar. J'habitais rue de Savoie. L'Alcazar, c'était rue Mazarine. Oui. Et j'y allais tous les soirs. C'était ma sortie, comme maintenant, c'est le Matisse. J'allais tous les soirs à l'Alcazar. Très agréable. Très agréable. Il y avait un promenoir. Oui. Bon, j'avais pas de blé, en plus. Ouais, j'arrivais à Paris, j'avais pas d'argent. Bon, j'étais là, le soir, j'étais au promenoir, comme ça, je voyais... Écoutez, j'étais l'endroit le plus sympathique. Il y avait Marc Delnitz, il y avait Jean-Marie Rivière. Ouais. On voyait les artistes sortir des loges et traîner au bar. Ouais. Il y avait une ambiance formidable. C'est bien. Voilà, attends. Alors. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. C'est Frédéric Botton. Au quatrième, monsieur, s'il vous plaît. T'as pas envie de devenir un vieux barman, quoi? Non, j'ai envie de dispenser mon savoir à d'autres gens, mais vieux barman, non, ça... Alors, Drieux, c'est un ascenseur qui a été fait par... Par Drieux La Rochelle. Par Drieux La Rochelle. Oui. Très bien. C'est ça. Ça commence bien. Et pour trois personnes, on n'est que deux. Voilà. Bon. Viens, mon petit chouchou, allons-y. Ah, bah voilà. Ah non, on va pas être bloqué, hein, c'est ça? Pourquoi il ne marche pas? C'est qui Monsieur Frédéric Botton. Ah. Bonjour, jeune homme. Messieurs. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va bien? Tellement battu. Bonjour mon Thierry. Et que c'est beau, regarde. Beau. Parce qu'on dit toujours, s'il te plaît, tu te plairas ici. C'est magnifique, ouais. Ici je vais me plaire. Tu vas te plaire ici. Écoute, j'ai tendance à dormir de ce côté-là. C'est pas grave. Ça ne te gêne pas? Si, un peu, parce que c'est mon côté, mais bon. Tu as vu ce que mon prof de gymnastique m'a fait acheter? C'est très bien. Tu vois, il y a un petit ventilateur, ce qui est génial. Il y a vraiment le résultat. Il y a un petit ventilateur. Oh là là. Ah, tu vois, il y a un petit ventilateur. Moi, je ne sais pas le faire marcher. Non, mais moi, j'arrive pas. Ouais. Je sais pas du tout comment ça marche. Là-dessus, fais-moi plaisir. Je peux pas, j'arrive pas. J'ai mal au, j'ai mal là, moi, tout de suite, très vite. Pourtant, j'ai été en ménage avec Copie longtemps. Fausto. Allô, la dame blanche. La dame blanche. Je suis Fausto Copie, vous voyez la dame la blanche fameuse, la au bord des routes. Oui. Ouais. Dîner, monsieur Chou. Dîner, monsieur Chou, assieds-toi, regarde. Chou, monsieur, c'est chinois. Dîner, monsieur Chou. Calisson de foie gras de canard, céleri rave et point confit. Sol demi-deuil. Oh, farci... c'est avec des truffes. Oui, mais oui. Demi-deuil, non? Demi-deuil. Farci... Ça commence très farci fort. Farci de quoi? Ça commence très fort. Alors, et on fait... Et à la fin, symphonie de vacherin. Oh là là. Ça, c'est pour couper. Mais ça va surtout être une symphonie de vacherie tout à l'heure. Alors, fais voir ça. Délicieux. C'est vrai, hein? Ah oui. Ah oui, c'est bon, hein? Vraiment. Le drame, c'est qu'on peut en boire plusieurs. Tu l'embaucherais au Matisse? Ah oui. Ah, tout de suite. Merveilleux. J'étais avec lui quand il a trouvé cet endroit. C'était un endroit décoré avec des fauteuils beige. Des gros fauteuils beige de Sky. Là. Le bar était beige. Le bar, je au Matisse, du carrelage par terre et des... Oui, oui, une horreur, une horreur. Et dis-moi, il y a combien de temps alors que tu l'as, ce Matisse, là? Bah, ça va faire le Matisse en 10 ans.
le bar 10 ans, le restaurant 2 ans. Voilà. Tu vois un peu ce que j'ai dû dépenser depuis 10 ans. Voilà, non, c'était sympa vendredi. Mais moi, j'aime c'était le matin, il n'y a pas trop de monde. Ouais. J'aime bien quand on... Tu sais, ce matin, c'est fait pour être, pour un peu parler, rigoler. Ouais, tout ça. Ouais. Dès qu'il y a la cohue, que ça commence à... Là, j'ai horreur de ça. C'est gay plus tard que plus tôt. Ouais. En fin de compte, je vais dire la vérité, je suis un très mauvais taulier. Ouais. Parce que tu préfères tes amis que le chiffre d'affaires. Sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Sans ça, si on voulait faire rentrer, on pourrait bourrer, tu vois. Mais j'aime mieux rigoler. Je trouve que depuis qu'il y a le restaurant, ça a pris une dimension. Ah ouais. Hein. Oh, tu remarqueras qu'on reste tous au restaurant. On est tous au restaurant. On ne va plus du tout. Ce qui m'a charmé en Mathis, c'est de dîner au bar, tranquille, et d'aller au restaurant quand les gens ont fini de dîner. Voilà, ça, c'est le summum. Oui. Ouais. Exactement. Et le mélange de la jeune génération et de l'ancienne qui se parlent et qui peuvent. Il y avait Veillargans qui discutait avec Poulvord. Poulvord. Ah oui. Jeudi soir, Robert Hirsch, un monument. Discute avec un petit jeune, un petit comédien, tu vois, qui raconte l'histoire de la comédie française. Robert, il a quel âge? Passionnant, 80. C'est formidable. On dirait qu'il en a 60. Le Matisse, c'est un peu quand même le... Moi, j'ai tout le temps, quand on me demande ce que c'est, j'ai tout le temps, c'est le Jurassic Park de la vie parisienne. Exactement. Il reste plus que ça, tu veux dire. Exactement. C'est quand même le seul endroit où tu rencontres Jagger avec Lorraine Bacall, Yves Saint-Laurent. Dernier carré d'Indien. Même Stéphanie Cauchois sans... Armani. Sofia Coppola. Ouais. Et de temps en temps, il arrive un journaliste comme ça de match qui me et dit, est-ce que vous auriez de la place dans votre petite guinguette pour donner un peu de lustre? Et il arrive avec Marisa Berenson, que j'adore. Ouais. Et je lui dis, bah oui, il y a de la place, mais à côté de cette dame qui est là, et c'est Meryl Streep. Ouais. Papy est où? Théa. C'est où? Là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce sont des fleurs. Au quatrième étage. Elles sont jolies, les clochettes jaunes, là. Hein? Tu sais comment ça s'appelle? l'orange, c'est le pavot. Deux pavots pour deux couillons. Bonsoir. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Non. Mais ce n'est pas tout. Hop, hop. Merci. Bonsoir. Qui c'est? Oh, mais qui c'est? Voilà quelques pavots, un petit pavot, un petit bouton. Oh, mon amour, mais quel âge. Un petit pavot, un petit dernier son. Que tu es belle. Bonsoir. Pardon, Gérald. Maman chérie, écoute, que tu es belle. On offre des fleurs pour ça. C'est joli. Attends, qu'est-ce que c'est élégant. C'est très élégant. Je ne sais pas où on va exactement les poser. Bonjour, chérie. Non, je peux pas te la donner, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Comment ça va alors tous les deux là? Bien. Très bien. On est toujours ensemble et dans notre métier, si tu veux, il faut compter multiplié par 7. Bah, nous aussi. Tout le monde te le dit, non? Oui. Un autre couple de l'histoire. Alors, j'avais un oncle homosexuel et quand j'étais avec lui de temps en temps, et qu'on nous présentait, je disais c'est mon oncle. Et lui me présentait toujours comme son cousin. Pourquoi tu me présentes toujours comme ton cousin? Parce que si je dis mon neveu, ça ne veut pas dire la même chose. Ouais. Voilà, alors que j'étais vraiment son neveu. Il m'a jamais présenté. Moi j'ai deux neveux, deux nièces. Ben Chetri et Chouki, Stanislas Mera, et mes deux nièces, la petite Astrid Munoz et Audrey Marnet. Oui, Audrey Marnet, mais je vois que tu ne mets pas. Mais maintenant, c'est emmerdant parce que je les ai mariées toutes les quatre. Tu ne mets pas Edouard Baird dans tes neveux, ça me fait plaisir. Ah, il est scié. Alors moi, je voudrais savoir qui est-ce qui fait partie du comité de soutien à Nicolas Sarkozy et le comité de soutien contre Nicolas Sarkozy. Parce que j'ai entendu des noms incroyables hier au soir. Qui? Alors, par exemple, dans le comité de soutien contre Sarkozy, pour Sarkozy, il y a Muriel Robin.
Non. Elle est contre Sarkozy. Contre Sarkozy. Elle est contre. Ah bon, bon. Tu sais ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy? Il a appelé Samuel Benchetrit pour le voir. C'est-à-dire que, t'imagines le général de Gaulle en train d'appeler Samuel Benchetrit. Et rame large, hein. Ouais. Eh oui. Nous, il ne nous a pas appelés. Hein. Alors, il y a Mimi Mati dans le commun qui est contre lui. Et contre alors, lui. Oui, alors pour lui, il y a Depardieu, Liane Folly, Clavier. Clavier Delon. Sardou. Sardou. Sûrement. Exactement. Ouais. De toute façon, moi, j'ai déjà parié il y a un an que ce serait Lionel Jospin qui serait président de la République. Tu crois, Lionel Jospin? Ah bon, tu vois ça? C'est mathématique. Maman. Mais c'est sûr. C'est déjà fait. Quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alternance, c'est pour ça que Sarkozy est obligé de se poser en opposant de Chirac. C'est forcément l'opposition qui va gagner, comme Chirac s'était mis en opposant de Balladur. Ouais. Donc c'est déjà un opposant de Chirac qui va gagner, normalement c'est la gauche, c'est normal. Et les autres pour l'instant ils font semblant d'être là. Mais à un moment on va se rendre compte qu'aucun ne peut l'emporter, donc forcément on va appeler Jospin. Et Jospin, tout le monde va y aller dès le premier tour, puisque la dernière fois quand même... Tu vois, il y en a tellement qui y sont pas allés, qui ont mauvaise conscience, et ça a donné Le Pen. Donc tout le monde va y aller dès le premier tour. Et c'est en plus Royal, tu crois, non? Mais non, tu rencontres pour être élu président de la République, faut avoir beaucoup échoué, faut avoir pris des coups. Le fait, les coups qu'il a reçus, lui, sentiments d'ordre sentimentaux, sont pas suffisants pour... Moi, je vois bien faut avoir, raté deux fois, quoi. Donc il le sera, mais plus tard. Là, c'est Jospin. Et pour l'instant, c'est un pari que je tiens assez solitaire. Mais vous allez voir. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on sera de plus en plus nombreux. Pour l'instant, je suis à 1000 contre 1, mais je suis sûr de gagner. C'est vrai que t'as fait du temps ensemble ? Ouais, maintenant, ouais. Avec les télés, ouais. 61 filles. Dis-moi, Nebout, tu fais des sagas de l'été, là, non ? Ah oui, oui, j'ai enchaîné, là. Ouais. Non, mais ça fait de longs métrages qui vont sortir. Président et On va s'aimer. 61, ça fait carrément actrice de porno, excuse-moi. Non, mais bah, je me demande, je vais pas faire ça d'ailleurs. T'es sûre d'être douée? Avec mon nouveau coup. Ah oui, c'est vrai. Ah oh, oui, ouais, 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 ça, ouais. Ouais, ouais, j'ai de l'entraînement, quoi. Ouais. Mais ça me plairait pas trop. Ouais. Bon, ils nous répondent pas du tout. C'est chiant, quoi. Ah, elle est belle, la France. Mais qui gueule? Fais chier! Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes invités. Eh bien, écoutez, au quatrième étage. Merci. Vous avez une très jolie voix. Merci. Donc, tu as deux longs métrages, La saga de l'été. Alors, j'ai La Crime, La saga de l'été et deux longs métrages qui vont sortir. Théâtre. Donc, je vais être tout le temps théâtre. Là. Pouf, pouf. Et au théâtre, j'ai deux pièces... entre guillemets, qui vont marcher. Enfin, ouais. Il y en a une avec Jean-Claude Dreyfus, auquel je tiens beaucoup, parce que je vais jouer un homme. Et l'autre... Est-ce que Jean-Claude joue une femme? Je le connais bien, tu sais. Mais bien sûr, tu connais bien. Mais Jean-Claude jouera un réceptionniste. Il jouera dans un hôtel et ce sera réceptionniste. Et moi, je jouerai un homme et après une femme, une prostituée. On va s'aimer, ouais, d'Yvan Calberac, quoi. C'est une comédie musicale. Avec l'ami et Mélanie Doutet. Mademoiselle. Ça va bien? Vous allez bien? Ouais. Hugo, viens ici que je t'embrasse, mon petit Hugo. Non mais vraiment, non mais il est extraordinaire, ce Hugo. Hugo. Il est pas mal en plus, regarde. Il est pas mal, il fait un tabac. Alors, Mathis, quand même, comment il s'appelle, celui qui fait des... Ah, Olivier. Il y en a pour. Non. C'est le côté. Je vais vraiment serrer. Oh là 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 là! Très bien. Il y a du lourd là. Oh là là! Ce joli petit garçon! Comme mon lapin, mais il avait un fonction. Quand même! Mais t'es connu comme ça! Bonjour, maman. M'embrasse sur la bouche! Ben ouais. Je viens du champagne. Oui, Gilles. Bien sûr. C'est Karine. Mettez-lui sa bouteille. Est-ce que tu veux un chamallow de parmesan? Oui, elle carbure au champagne. Elle carbure bien. Oh, elle carbure gentiment. Pas gentiment. Tu carbures beaucoup. Je vais te dire... Non, arrête. Au champagne. Ne commence pas, toi. Pas de fausses rumeurs, Boton. T'as vu, commence pas, toi. Je la défendrai, moi. Ma vie, elle est accueillie. Tu carbures beaucoup. Je carbure pas mal, mais il y a plein de soirs où je bois rien du tout. T'en trouves pas? Non, je suis chez moi.
Moi, je serais inquiète si je bois toute seule. Ah, c'est horrible, moi. Ça. Oui, ça, c'est le jour où je m'ouvre ma bouteille, non, alors là, j'arrête, chérie. Quoi. Je vais en centre. Tu ça, vois c'est de l'alcoolisme. On devrait essayer de dire c'est des noms de non, gens non, qu'on non, connaît qui boivent seuls. Mais par exemple, oui, oui. Par exemple. Ça peut être intéressant. Édouard Baird. Oui, Édouard Baird. Il est souvent seul. Mais même quand il est en société, il est seul, donc il boit aussi. Ah, mais c'est lui, il y a un nouveau gars, là. Ouais. Guyon, c'est ça ouais. Il a des affiches sur Paris, à Paris. Oui, il joue au Théâtre Trévise depuis un an. Ça marche très bien. Il est dans leur émission. Et ça marche, d'ailleurs, il y a les prongs à la scène. Ouais. Le mec, il balance. Voilà, il fait des prongs dans la cuillère. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, c'est ça. Ah si, c'est drôle. Je trouve ça pas du tout drôle. Moi, je trouve ça drôle, moi. Je trouve que la limite, c'est d'être drôle. Oui, je le trouve drôle. Ah, moi, je trouve pas du tout drôle. Sauf quand l'invité est pas drôle non plus, donc comment veux-tu faire? Ah ouais. Tu peux pas faire deux choses. Faire comme si tu avais jamais entendu parler de lui et après dire qu'il est pas drôle. Dis-moi, Ariel, est-ce que tu as été contacté par Sarkozy? Oui, écoute, non. En ce moment, il appelle tout le monde. Eh ben, nous, on n'est pas grand-chose, on l'a pas été. Beaucoup. Moi, j'ai plein de trucs à lui dire. Aujourd'hui, on m'a demandé si j'avais deux heures à être coincé dans un ascenseur avec qui j'aimerais être. J'ai dit avec Sarkozy, je trouve ça marrant. Ouais, mais ça, c'est donc des pervers. Moi, pour écouter ce qu'il a à dire, je suis très curieux de Sarkozy, j'ai envie de savoir, moi. Et toi, oui. Parce que je l'ai vu dans un restaurant, et en fait, quand tu le vois physiquement, il n'est pas du tout ce que tu attendrais de lui. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un type assez petit, assez fort, comme ça, qui marche un peu comme ça. Il est très bizarre. Et tu sens quand tu le vois qu'il y a une espèce de... Il y a un certain aura, forcément. Oui, à la fois du charisme et un truc de revanche. Je veux bien voter pour lui, mais je veux qu'il me rende moi, je voudrais lui expliquer. On le sait, maintenant, il sait que t'es achetable. S'il sait que t'es achetable... Il est permis, maintenant, il me retirait il y a deux jours. Bah, j'ai moins de points. Enfin, je suis à 14 points, quoi. Enfin, moins... Elle a parlé au téléphone... Non, j'ai eu pas mal de problèmes pendant ces dernières années et là j'ai vraiment plus de points du tout quoi. T'as vomi au volant? Non, j'ai plus de points quoi, donc il faut que je le rende. Non, mais je voudrais bien qu'il me trouve un truc quoi. Mais c'est marrant comment ça se passe, ils te reconnaissent quand même. Oui. Ouais, ouais et quand mais même, ils me foutent en cellule quand même. Ah ouais. Avec des menottes et tout, hein. Non. Parce qu'il t'a reconnu. Dans une cellule pourrie dans le 6e, on serait cru en bosse. Le nombre de mecs qui aimeraient te mettre des menottes. Oui, on va, il est pas, il est pas né. T'étais toute seule ou il y avait des prostituées? Non, dans le 6e, il y avait une toxico. Ouais, dans le 6e, il n'y a plus de prostituées. De cam. Moi, j'ai fait des cellules de dégrisement, des cellules tout court et tout ça. Pendant, j'en ai fait une bonne dizaine. Depuis que Sarkozy est passé à l'intérieur, les gens sont moins courtois dans les commissariats. Mais oui, tu as raison. Hein? Oui. Et alors, récemment, j'étais à un dîner un peu de ce genre-là, où il n'y avait que des gens... Qu'est-ce que ça veut dire, de ce genre-là? Des gens un peu honorables, qui ne sont pas les... En queue de... Des gens connus, t'appelles ça des gens honorables? Eh bien, ils avaient tous eu des ennuis avec les flics dans les 6 derniers mois, mais des bien trucs sûr. Phénoménaux, mais des trucs que tu peux raconter qui te font dresser les cheveux. Raconte, si je vais te dire un scoop, enfin, je vais te dire une combine formidable. C'est moi, j'ai un garçon qui vient souvent dîner au Matisse. C'est une folle perdue, adorable. Elle pousse des cris, elle fait des danses dans les mariages juifs et tout. Mais je le connais. Mais adorable, mais merveilleux. Et alors, tous les soirs, il vient et il amène un nouveau gendarme. Alors, quand c'est pas un CRS, c'est un gendarme. C'est un pompier. Ou c'est un... Non, pompier, non, c'est un autre. Ça marche toujours, le truc de presser du uniforme, ça marche dans vos milieux. Alors, il a une Mercedes décapotable et il emmène une jeune femme... assez jolie et très connue avec lui à côté dans la voiture, et il drague tout au feu rouge tous les flics. Alors moi, j'ai une combine géniale. Je vois très bien de qui tu veux. Tu vois très bien qui est la gonzesse. Bon, voilà. Et alors moi, maintenant, ça m'est arrivé 2-3 fois et ça a marché. C'est que quand tu te fais arrêter, moi je me suis fait arrêter pour un feu rouge, pas de ceinture, et on oublie le reste, et le mec me dit, vos papiers, arrêtez votre moteur. Oui, monsieur. Je dis, mais on se connaît. Le mec, il a les papiers, il fait non, ça m'étonnerait. Non. Je dis, si, mais si on se connaît, dégagez. Il me fait partir. Parce que je veux dire, ils ont tous. Un truc à se reprocher. À se reprocher, tous. Car moi qui habite à côté du bois, pas mon lieu de travail, mais dans mon habitation, je veux te dire que je les vois souvent et les motards et tout descendent, poser leur casque de moto et aller faire un petit tour dans le bois. Mais tu vois que si t'étais 2 heures dans un ascenseur avec Sarkozy, t'aurais des trucs à lui raconter. C'est quoi les chandelles? Mais moi je suis allée, moi par hasard. Alors, ce sont des trucs de fou. Je suis tombée par hasard, je savais pas du tout. Mais c'est un club échangiste. Mathilde est allée au chandelle, elle s'est aperçue que c'était un club échangiste. Mais je savais pas du tout.
Ben, comment veux-tu qu'elle sache si elle ne connaît pas? Mais ça sentait ça, l'eucalyptus, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Bon. Non, mais ça sent le désinfectant. Ah bah, c'est normal. Ça sentait l'eucalyptus. Ah, bah ouais, mais quand un mec il t'emmène boire un verre dans une boîte. Il y a encore des mecs qui t'emmènent aux chandelles sans te dire ce que c'est. Non, je te jure que c'est vrai, c'est un mec qui m'a dit je vais t'emmener boire un verre aux chandelles. Je te dirais pas. Mais c'est une odeur de sexe en fait. Non, d'eucalyptus. Non, de sexe. Désinfect. C'est mentholé. Oui, c'est mentholé. Je suis allée avec Charlotte Gainsbourg qui était enceinte et Yvan Attal pour le besoin d'un film. Aussi. Pour les besoins d'un film. C'est vrai. Et je me suis retrouvée sur une banquette avec Charlotte. Comme ça, on était comme ça, un peu tricarde. Et je me souviens de l'odeur et je me souviens surtout du silence en fait. Il y avait un silence. Il y a quand même des gens qui pratiquaient, accrochés à des grilles, ou à des portes, ou à des croix. Non, mais vraiment. Ça t'a plu, Claire? Mais moi, ça m'a pas du tout choqué. Ça m'a plu, j'y suis pas retournée, pour tout te dire. Moi non plus. Voilà. T'as vu quoi? Mais ça m'a plu dans le sens, oui, ça m'a plu dans le sens, voilà, image, ambiance, silence, un truc comme ça, un peu christique. Enfin, pas christique, mais christique. Il y a des croix de Saint-André. J'ai beaucoup aimé cette ambiance christique, je reviendrai. Bon, voilà. Oui, bonsoir. Ben, c'est nous. Marie-France et Nathalie. Je vous en prie, au quatrième étage, merci. Écoute, elle est une reine. Non, mais elle va avoir des petites oreilles, mon cœur. Mon petit amour. Bonjour. Coucou. Lily. Coucou, mon loup. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va passer à la blonde. Oh là là. Ça, tu sais pas ce que t'as fait de prendre un chien comme ça. Moi, j'ai vu Magloire arriver ici avec un chien comme ça. J'en ai acheté un et depuis on flippe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ils sont petits comme ça, ils sont sympas. Mais après, tu sais pas ce que c'est. Non, mais je te jure, tu vas être obligé de l'assassiner. Je te jure, j'en ai deux. Comme papa. J'en ai deux comme papa. Bon, passe à table. Il va y avoir la deuxième moisson là. Ah, oui, c'est terrible cette histoire, c'est-à-dire que le mec a... La fille. Ah, toi que voilà, Diana. Oh, regarde, la clairette. J'ai un peu bougé. Comme ça, là, je suis là. Non, mais toi, non, mais lui. Non, 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 c'est toi, c'est toi. Tous les flots bleus. Ah, vous étiez à Venise ensemble. Coule dans tes yeux. Quand recommence camping vacances. Ça va de soi. J'écoute. De soleil qui s'amoncelle, autant pour lui, autant pour elle. Enfin l'amour et ses romances à faire pâlir le ciel de France. Et c'est ainsi que va la vie, que va la vie. Quelques je t'aime éparpillés, ce sont les je t'aime d'un été. Ils se consument avec la nuit et vous parfume d'un peu d'oubli. Heureux amour, heureux romance à faire craquer le ciel de France. Et c'est ainsi que va la vie, que va la vie. Sont-ils péchés que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne lasse? Les grands amours n'ont plus d'adresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi. Ne m'appelle plus, efface-moi. Déchire mes lettres et reste là. Demain peut-être, tu comprendras. Geste d'amour et de tendresse, tel deux oiseaux en mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse lorsque l'un part et l'autre reste.
La vraie différence entre les auteurs-compositeurs de la génération de Frédéric et ceux de maintenant, c'est qu'à l'époque de Frédéric, en fait, les chansons nous racontaient notre vie. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes chanteurs nous racontent leur vie à eux. Ouais. Et ça, c'est une vraie différence. Il a des théories sur tout. Tu sais quoi ? Mais non, c'est pas une théorie, c'est qu'à un moment, tu t'intéresses aux choses. Tu sais quoi ? T'essayes de comprendre. Non, mais attends, aussi, il y a un truc, moi, qui m'énerve en ce moment, c'est une espèce de nouvelle chanson française. C'est quoi ce truc ? Ça m'aurait étonné que tu t'énerves pas là-dessus. Tu veux à chaque fois être contre tout le monde. C'est Delerm, Benabar. Non, ils ont du talent, mais il y a une espèce de nouvelle chanson française qui est faussement. C'est faussement branché. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça fait chier. Le côté. Le côté, je te raconte ma vie, c'est ça que tu t'aimes pas. Ouais, nouveau texte. Le côté intimiste, comme l'autofiction dans la littérature, ou le cinéma nombriliste dans le cinéma. C'est vrai que les chansons, c'est bien quand ça raconte une histoire, quoi. Mais tu vois, le dernier album de Michel Sardou, 1,5 million quand même, il s'est vendu. Ouais, ouais. Les rivières de mon enfance et tout. Bon, moi, j'adore Sardou. Mais c'est 1,5 million. Mais arrête. Mais je te jure que l'album, il est bon, quoi. Moi, j'adorais Sardou quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, ça va 15 ans. Voilà. Moi, j'ai 15 ans. Mais c'est ça. Non, mais moi, j'ai toujours aimé Sardou. Mais là, je trouve le dernier, il vend toujours ce mec, tu vois. C'est une leçon quand même. Ah, mais c'est sûr, il a de la voix. C'est pas gagné. Johnny et Sardou, c'est les deux stars. Pauline Croze et Anis. Les deux grands. Mais non, c'est les deux grands. Deux stars françaises. Johnny, son album, il est grand, quoi. Ma religion dans son regard, et tout, c'est énorme, quoi. Tu demandes à n'importe dans la rue. Mais après tout, ce que je préfère, c'est Botton. Non, mais ça n'a rien à voir. Désolée. Botton avait écrit une très belle chanson pour Johnny que Johnny n'a pas prise. Non, c'est vrai. Donc on est fâchés. Non, je suis super contente de dîner ici et tout, hein. Mais il y a un truc qui m'angoissait. Tu sais, c'est quoi ? Non, je te jure que c'est vrai, c'est loupé avec Nathalie. Hein. Ouais. La vérité, il n'y a que la vérité qui compte. Parce que c'est le lundi soir. On fait que ça, regarde la télé, non. Je te jure, Thierry. Il y a la vérité qui compte. Laurent Fontaine, attends, j'adore ce truc. Ah oui, Fontaine et Bataille, c'est vrai. Moi, je sais pas ce que après Sardou et Johnny Hallyday, elle aime Laurent. Bah, tu vois, cette émission, elle serait vachement mieux si c'était Gérald Nanty qui accueillait, tu sais. Parce qu'à un moment, tu sais, ils sont là et ils appellent une fille. Alors, comment ça se passe ? Et il y a une fille un peu taille basse qui est là et qui dit bon, ben moi, il est super sympa, mais je vais vous l'amener. Alors que si c'était Gérald, alors là, ça serait autre chose, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une émission assez. Mathilde, tu dis ça par provocation ou. Non, chérie, j'en ai assez de provoquer aujourd'hui. Est-ce que t'as déjà vu Mathilde provoquer ? Pas du tout. Non. En même temps, on t'avait rien demandé. Je jure de mon cœur, du fond de mon cœur, que c'est vrai. Que je trouve que c'est une émission. D'abord, je regarde tout. Je regarde Paris Première. Je regarde ton émission là. La nuit là. L'autre jour, je suis tombée sur des trucs. Que tu as fait ? Super hard. Super hard. Tu l'as faite à tes débuts. Souviens-toi. Non, mais assez chaude. J'ai fait l'émission d'Ariel. Je suis super ouverte à tout. Et je regarde toute la télé. Parce que, comme tout le monde, on zappe, truc. Mais je te jure qu'il n'y a que la vérité qui compte. C'est une émission, pour moi, qui est sincère. Quoi. C'est une vraie belle émission. Je trouve que c'est une émission sympa, mais c'est pas aussi bien que Alexandre Zoary qui sauve un salon de coiffure. Voilà. Ah non. Parce que ça, ça tu l'as vu pas Alexandre incroyable. C'est quoi bah, c'est une émission sur M6. En fait, ça se passe dans la France profonde et si tu as un commerce qui marche plus du tout, tu peux les contacter et ils font venir des experts. Et donc là, il y avait un salon de coiffure, si tu veux, et ils ont fait venir Zoary et deux, trois copines à lui. Et il y avait un truc génial, c'est Zoary se plante devant une enseigne et il y a écrit salon de coiffure, machin truc et tout. Et à la fin, il y a écrit SARL. Et là, il fait, mais qu'est-ce que ça veut dire SARL? Et il est, je te jure. Qu'est-ce qui se passe, les enfants, là? Rien. C'est le fond de la classe. Elles sont en train de se dire, tiens, et maintenant, si on disait du bien de Julien Courbet? Ouais. Ah, Robin. Et Coé. Coé, il nous le garde pour le dessert. Il est vachement quelle culture, bon. Coé. Non, ça, moi, je déteste. Ah bon? Ah non, ça, non, mais il n'est pas si mauvais. Non, ça, je ne peux pas. Il n'est pas si mauvais, Nathalie. Non, ça, je ne peux pas. Nathalie. Non, ça, c'est horrible. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Allô? Allô? Comment ça va? Samuel, mon neveu. Alors voilà, donc si tu veux, tu as été qualifié avec Stanislas Mérard, Édouard Baird, de neveu de Gérald Nanty. Mais c'est exactement ça. La différence de moi et des autres, c'est que moi, je suis son vrai neveu. Voilà, toi, t'es son vrai neveu. C'est Samuel Benchetrit.
Mon ami Samuel Benchetri. Mon vrai neveu, mon amour. Le vrai neveu, mon amour. Non, mon ami, on dirait Brialy ce soir. Tous mes amis sont là. Ils sont merveilleux. T'es number one. T'es number one. Oui, oui. Samuel Benchetri, qui est merveilleux. Bon, je te passe Frédéric. Hein, c'est son dîner. Ouais, 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 c'est très agréable. Alors, Nathalie Reims et Mathilde Seignier sont d'accord pour dire que... Tous mes amis sont merveilleux. Il n'y a que la vérité qui compte, l'émission de Fontaine et Bataille. C'est la meilleure émission de la télé. Ça va, j'ai pas la télé. Bah ouais, t'as raison de pas voir la télé. Avec le rideau, là. Avec le rideau, ouais. Strasbourg. Moi, je trouve que c'est la pire émission de la télé, mais bon. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il dit ? C'est Samuel, mon ami Samuel. Il a dit que c'est pas la pire émission de la télé. C'est Samuel qui m'a offert ce bracelet. Il est hyper consensuel. Ce bracelet est un cadeau de Samuel. Bon, sois prudent sur la route. Hein. À demain. Salut, Samuel. Ciao. Il a un Pacino chez Castel, il va le payer très cher. Je l'adore, ce Samuel, vraiment. Tu es fasciné l'adore. Par les garçons beaux, toi. Bah oui. Ah bah il est beau. Bah, un truc fasciné. Un peu humour foulé. Bah pas refoulé. Il est beau, il a du talent, il a écrit un livre formidable. Son livre est bien, sa pièce est bien. Formidable. Dans Backstage, il est bien. Janice et John, c'est pas un mauvais film. Surtout, il est très très gentil. Ouais, en plus, il est doux. Bah déjà, il a pardonné à Bertrand Cantat, tu veux, ce qui est pas mal. Il est vraiment bien. Gars, type adorable. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais Bertrand Cantat, il est adorable. Quand même, faut le défendre. Attends. Mathilde. Pour tout, Mathilde, c'est non, le hérisson. Il y avait un journal quand j'étais petit qui s'appelait le hérisson. Oui. Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est la devise du hérisson. Non, mais c'est vrai, et Bertrand Mathilde, Cantat, c'est un peu le hérisson. Non, mais Bertrand Cantat, c'est un mec adorable. Quoi. J'avais été très triste, je me rappelle, pour Rita, que d'avoir aucune nomination Molière, de rien. Ouais, de... Ouais, ouais. Non, mais oui, mais. Ah, mais moi, j'avais vu un mec, je sais plus qui m'avait dit, c'est sûr qu'elle est nominée. Ça, je trouve ça intéressant. Toi, aujourd'hui, tu es l'actrice la plus bankable du cinéma français et tu as envie d'une récompense. La récompense, c'est fait pour ceux qui en ont besoin. C'est comme Houellebecq qui veut le Goncourt. Pourquoi ils ont. Les prix, c'est pour ceux qui en ont besoin. Frédéric, j'ai eu envie, je suis quelqu'un de très honnête, j'ai eu envie, j'ai eu de la peine pour deux choses que j'ai faites dans ma jeune carrière. C'est Une hirondelle a fait le printemps. Oh, merveille. Alors Une hirondelle, ça aurait dû avoir un prix, mais et c'était là, un film chagrin, génial. Je le dis. Enfin, j'ai toujours dit à la télé. Et puis L'éducation de Rita, j'ai pas compris. Ouais. Le reste, bon. Mais c'est marrant, moi, j'ai une explication. Vouliez, quand vous avez le public, vous voulez le milieu. Non, vous savez non, bien que le milieu vous en veut d'avoir le public. Non, bah, Frédéric, je n'ai plus rien. Pas toi. Dis pas vous. Je veux plus rien aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir le public. C'est tout ce qui compte. Oui, oui, voilà, exactement. Je pense plus à ça. Mais c'est je te dis juste, j'ai eu du chagrin pour deux choses. Basta, parce que je me suis beaucoup donnée. J'ai sué, j'ai vraiment... Non, mais je comprends. Voilà, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Aujourd'hui, j'irai plus jamais. Tu vois, je les reçois plus. Les DVD des Césars, ils envoient au métier. Il faut payer une caution, tu sais, 50 euros. Et ben, j'ai même pas payé cette année pour te dire que j'en ai rien à secouer. Non plus. Voilà. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'en France, les Français sont très jaloux. Oui, très jaloux. Du succès. Bien sûr. Aux États-Unis, tu vois, t'as des grandes actrices populaires qui ont des prix. En France, on condamne. Mais t'as qu'à voir les Oscars, la joie, le sourire, les ils sont heureux aux Oscars. Voilà, tu vois. T'as vu les Molières et les Césars, les cérémonies. Mais c'est suicidé, ah, c'est atroce. Ils savent pas faire ça. Moi, je condamne la chicrie, la branchitude et le parisianisme qui, moi, me fait gerber. Voilà, le reste. Bah justement, j'en profite pour vous dire que je dois partir pour aller. Voilà, donc j'attendais, tu vois, je bondis. Ça a été DJ, toi. Belle sortie. C'est un bon DJ, d'ailleurs. Mais oui. Et je t'inviterai sur 50 ans, Jean-Marie. Il y a intérêt que je suis un bon DJ. Ah ouais. Bon, t'es pas vexé par ce que j'ai dit, alors. Ariel, tu vas où? Je vais faire une fête, vous inquiétez pas. Que tu vas au Baron. T'es pas tombé loin, tu disons. Tu vas au Petit Palais, là. Au Paris. T'es tombé loin. La nuit, c'est un drôle de truc. Oui. Voilà. Quoi? On s'est marié chez Castel avec... Oui, alors comment? Mais... Combien de temps vous avez été mariés? On n'a pas été mariés longtemps, mais on est mariés depuis 30 ans, je veux dire. Voilà. Le papier, on s'en fout, si tu veux. Ouais. Voilà. Mais c'est en comme fait, toi et moi. J'ai connu Frédéric. J'ai connu Frédéric à 19 ans. Ouais. J'avais 19 ans. J'allais déjeuner chez Gildo avec une amie qu'on avait en commun. Je ne connaissais pas Frédéric, qui est Nicole Wisniak. Oui. Je traverse la rue et j'entends quelqu'un qui appelle Nicole, je me retourne, c'était lui. Et à 19 ans, n'étant pas une fille tout à fait comme les autres, j'avais dans ma chambre une photo de Jean Tissier. Jean Tissier. Oh,
L'assassin habite au 21. Et moi, j'avais Pauline Carton. Mais attends. D'accord, vous étiez Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais fascinée par Robert Houdin et par la magie, ce que je suis toujours. Donc, Jean Tissier dans L'Assassin habite au 21, c'est là la poudre. Et pour moi, c'était une idole indépassable. Et puis, je me retourne et je me dis, mais c'est le sosie de Jean Tissier. Et il dit, et il me dit, bon, Non, ça sonne. Continue, Nathalie. Allô? Et il me dit... C'est Édouard Baer. Oh non. Oui, c'est... Non, tu nous embrasses, tu passes pas. Premier filage, oui. Et dernier. Tu es un amour. Mais qu'ils viennent. Ben oui, je vais chanter, j'ai déjà chanté d'ailleurs. C'est un peu froid, ça. Tu es un amour. Tout le monde t'embrasse autour de moi. On t'embrasse, Édouard. Même Thierry. Et j'étais, mais naïve, je ne peux pas te dire à 19 ans, mais c'est horrible. Je ne sortais pas, je ne connaissais rien. Et j'ai eu le coup de foudre pour lui, parce que pour moi, c'était le sosie de Gentilier. À quoi ça tient? Tu vois qu'il n'y a pas de petite vedette. Attends la suite. Il habitait rue Molière, Gentilier. Attends, et donc je déjeune avec Nicole, et je lui dis, mais c'est qui? Elle me dit, c'est Frédéric Botton. Il écrit des chansons. Bon. Et puis on déjeune. Et le lendemain, Nicole m'appelle et elle me dit, tu sais, Frédéric Botton m'a appelé pour me demander qui tu étais. Oh. Et moi, j'arrêtais pas de penser à lui. Et en fait, on s'est revus 2-3 jours après et on s'est plus quittés. Ouais. Et ça fait... 30 ans. Ça, l'année prochaine, ça fera 30 ans. Ouais. Et wow. On s'appelle, ah, oui. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une journée où on s'appelle pas. Mais voilà. 2-3 fois. Et si par hasard, je disparais une journée, ouais. C'est un drame indépassable. C'est rien, si tu veux. Par exemple, Claude à côté, tout ça, c'est rien. Je sais. Il est sur mon dos tout le temps. Est-ce que malgré tes maris successifs, Léo et Claude... Cléo et Claude, voilà. Ça fait 3. Nathalie, elle a inventé la famille recomposée sans enfants. Mais je suis super fière. C'est les enfants le prétexte à la famille recomposée. C'est juste que des maris qui s'entendent bien. Mais on part en vacances tous ensemble. Tous ses maris, elle part en vacances. Mais on part en vacances. Ils sont tous copains. Frédéric, Léo et Claude, on ne se déplace jamais les uns sans les autres. D'abord parce que quand tu as aimé les gens... Le truc, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureux, tu peux pas jeter à la poubelle ce qu'il y a eu avant. Ah, moi, je suis comme toi. Oui, enfin, c'est pas la même chose. Et toi, t'es restée copine avec tes... Tous. Ah ouais. C'est pareil. Ah ouais, tous, quoi. Bon, on est d'accord, alors. Tous. Que ce soit du Léry, Gérard... Oh, du Léry, j'adore. Gérard, c'est difficile de rester, quand même. Oh, Gérard, j'aimerais bien le retrouver, maintenant. Ah, Gérard. Non, ouais. Même Laurent, tu vois, même Laurent, je le rencontre dans la rue, aujourd'hui, Thierry... Je suis contente. Mais ce sont Tu en veux pas. Ouais. On sait. Je l'ai tellement aimé que. Ouais. Elle est aussi bonne que lui, dans les imitations. Ouais. Mais tout. Oui. Mais à Fabien. C'est vrai. Fabien, je non, l'aime. Mais j'ai un souvenir. Non, j'aime mes ex vachement. On les aime toujours, les gens qu'on a aimés. Ouais. C'est quoi dire je t'aime? Oui. C'est quand même assez difficile. On mais on aime à quelqu'un dans une vie, quoi. Moi, cette semaine, j'ai eu de la presse People, comme d'habitude. Enfin, j'ai l'habitude, j'ai même pas acheté, pour vous dire. Non, mais ça fait vendre, Mathilde. Ça fait vendre, oui, pareil, je fais vendre, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Oh, dis pas ça, Mathilde, s'il te plaît. Avec Fabien Antoniente. On est réconciliés. Voilà. Je me réconcilie avec un homme. Le retour. C'est pas ça. J'ai un film avec lui. Le film, il est beau. Et Frédéric le sait, Nathalie. Attends, tu l'adores. Attends. Et moi, je me réconcilie avec Fabien parce que je trouve que d'être dans la haine, c'est nul. Alors, on parle, ça nous regarde. On va au Luxembourg, on passe une journée merveilleuse. Et vous vous faites photographier. Et on se fait photographier. Et il n'y a rien. Juste une réconciliation. Ouais, voilà, c'est horrible. Et ça, je trouve ça fait chier, tu vois. La presse fait chier pour ça. C'est la rançon de la gloire. Tu vois ? C'est la rançon. Mais t'imagines, Frédéric, t'as des... Moi, en tant que comédienne, Claire Neboum, etc., Frédéric, qui quand même rencontre beaucoup de gens toute la semaine et qui filme beaucoup de gens toute la semaine. Voilà. Je sens une mini-scène. Non, mais non, c'est pas une mini-scène. Non, c'est très clair chez nous. C'est un couple. Moi, je suis... Oui, c'est un couple merveilleux parce que ça fait quand même 12 ans que ça dure. Bah ouais. Et en même temps, je lui octroie
comment dire, toutes ces relations, toutes ces... Ils filment des filles, des femmes, des super nanas, des super vedettes. C'est pas facile d'ailleurs, Claire. C'est pas facile. Moi, je range mon frein. Je suis là. Claire, c'est pour le boulot. Non, mais c'est comme si je... Et tu l'aimes. Ce que je vous dis, voilà. C'est tout. Donc, je l'aime. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je suis encore plus que ces nanas. Voilà. C'est mon bordel. C'est oui. Mais non, mais c'est ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'assume tout ça et en plus, je ramène le truc pour. Waouh! Ouais, mais ce qui est une belle. Bonsoir. Bonsoir, c'est Marie-Amélie. Quatrième étage, s'il vous plaît. Bonsoir. Mademoiselle. Je suis très amie avec tes deux sœurs. Hey. Ça va? En ce moment, je suis copain avec les trois. Mais ouais, c'est autant. Avec Emmanuel, ça a été compliqué. Emmanuel, ça a été compliqué quand même. Attends, il y a tout un truc qui tourne. Oh, Marie-Amélie. Bonsoir, mademoiselle Marie-Amélie. Oh, Marie-Amélie. Bonjour à ma sœur d'abord. À ma sœur d'abord. Mon mari, c'est la première fois que j'ai eu un copain qui est trop mal. Super bien épilé. C'était dur. Vous épilez entre vous. Les sœurs s'épilent entre elles. Tu as raison, Frédéric. Oh, je suis douée en épilation. Hein. Oh, super douée. Elle m'a fait tous les trucs comme dans Vénus Beauté. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, je l'appuie, elle. Bon. Bah alors, bon, non, c'est bien. Tu vois, c'est gratiné. Hein. C'est gratiné dans le cinquième. Dis donc, en parlant d'épilation, ça n'a rien à voir. Marie-France, à la grande époque de la Casa, où elle faisait Marilyn Monroe, où elle était sublime. Il y avait un monsieur qui était fou amoureux d'elle, qui était tous les soirs chez Castel. Et ce monsieur, c'est pas de la tarte, c'est pas de la merde. Monsieur Onassis, Aristote Onassis, était fou de Marie-France, mais fou. Et il venait chez Castel et il disait à Jean Castel, Jean, écoutez, présentez-moi, faites quelque chose. Elle est merveilleuse, je l'aime, elle est merveilleuse. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Elle fait, bon, écoute, et il veut te faire un cadeau somptueux, Aristote Onassis. Alors, demande, tu veux un appartement, n'importe quoi, je veux un diamant. Oui, ben, je vais réfléchir. Et le lendemain, Onassis arrive, et Jean Castel lui dit, bon, t'as réfléchi? Ah oui. T'as réfléchi? Elle dit, oui, j'ai réfléchi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des perruques. C'est une histoire merveilleuse. C'est horrible. Aristote Onassis, elle pensait à l'Alcazar, elle voulait mettre des perruques de Marilyn. Oui, mais c'était la grande mode, il fallait porter des perruques rousses, blondes, brunes, mais j'avais pas les moyens, mais j'ai des perruques. Et donc, c'est l'époque où tu habitais à Louisiane avec mademoiselle Amanda Lear. Ah oui, on se voyait souvent dans sa chambre et dans la mienne. Dis-moi, alors Amanda Lear, c'est un garçon ou une fille? C'est une femme, enfin. En parlant de riche, parle-moi de Marcel Dassault. C'est une femme comme moi. Ma première chanson de ma vie a été chantée par Barbara. Ah ouais, ah ouais. J'étais pas du tout venu pour voir Barbara, personne ne la connaissait. Je me promenais sur les quais, tu sais, sur les quais là près de la Seine, et il y avait l'écluse. Et je vois qu'il y avait deux types qui avaient fait des disques. Et tu sais, à l'époque, on faisait pas de disques, genre en 58, trucs comme ça. Et je me dis, oh ben je vais rentrer, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Rue du Chien qui fume. Ah oui. Et je rentre, et je tombe sur un des deux duettistes, c'était des duettistes. Il me dit, non, c'est pas du tout pour nous, mais il y a une fille qui passe ici, c'est peut-être bien son genre, me dit-il. Et il me donne le téléphone, il lui téléphone, la fille, c'était Barbara, qui me donne rendez-vous à la Boulore, qui est un café qui n'existe plus, place Saint-Michel. Et donc j'arrive, Barbara, elle était déjà en noir, avec des bas, un truc comme ça. Moi, je sortais de l'avenue Henri Martin, tu vois, c'était pas du tout... C'était un fils du 16, alors. Oui. Donc, je lui joue ma chanson. Elle me dit, oh, c'est bien, ça. C'est bien. Et 8 jours après, elle la chantait. Alors, je suis venu là avec toute ma famille qui venait pour voir. Enfin, c'est, tu vois, un truc de marche. Mais tu vois, ça a commencé vraiment... La grande Zohar.
La Grande Zoa, j'avais, je vais te dire l'histoire, j'étais chez moi, je dis, c'est une chanson pour un homme. Je voulais que ce soit Bourvil. Et donc, je regarde, attends, je regarde dans le bottin. Et je vois M. Bourvil, je téléphone. Il était dans le bottin. Ah, il était dans le bottin et il habitait absolument à 300 mètres de chez moi. Il me dit, venez maintenant. Je me souviens qu'il y avait une moquette à damier, tu vois, c'est pour te dire, et qu'il y avait un petit piano droit comme ça tout de suite en entrant. Et je lui ai joué, donc, la Grande Zoa Bourvil qui fait « Oh, t'es osé !» Attends, il m'a dit « Oh !» Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit « Oh, c'est osé !» Charmant, un être délicieux. « Oh, charmant, charmant. Écoutez, rappelez-moi si vous avez d'autres chansons. » Mais après, tu l'as proposé à Brialy, non ? Proposé à Brialy. Alors après ça, je me suis dit, dans le fond, ce serait très bien pour Brialy. Merveilleux. Ah, merveilleux. Merveilleux. Tu l'as proposé à Brialy ? Brialy ! Oui. Bien sûr, Brialy est venu chez moi, parce que Brialy jouait dans une pièce de... Enfin, tu vois, tu comprends. Mais oui, de Chacha Guitry, que j'adore, mon ami. Ah, Chacha était mon ami, tout chez moi. Vraiment merveilleux. Je peux plus avec elle. Qui jouait dans la puce à l'oreille. C'est la question, Brialy. Brialy, c'est merveilleux dans la puce à l'oreille. Brialy m'avait dit que c'était parce que ses parents... Son père était encore vivant et qu'il voulait pas chanter la Grande Zoa. Oui, non, mais c'est vrai. Il voulait pas chanter alors que son père était... Attends, il aurait été formidable, Jean-Claude. Formidable. C'est une chose. Et... Merveilleux. Mais Jeanne Moreau aurait été mieux. L'excuse tout le monde, Jeanne. C'est merveilleuse dans Les Rois Maudits. Avec José Dayan, qui est tellement belle. Tellement merveilleuse avec son truc qui lui bande le visage. C'est merveilleux. Ma grande amie Jeanne Moreau. Il m'a dit non, mais il y a Régine qui fait un disque. Et puis bon, voilà. Et résultat après, qui a sauté dessus ? Régine, alors la rencontre. Mais non, Régine n'a pas du tout sauté dessus. Régine était produite par René Lebas, qui était une vieille chanteuse qui la produisait. Et bon, elle a dit c'est bien, c'est tout, mais tu vois, puis ça fait un carton quand même. Énorme. Dans un mardi, la Grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. À minuit, la Grande Zoa autour du cou met son boa. Y en a un qui m'annonce que la Grande Zoa ce serait un homme, on dit ça. Y en a un qui marmonne que la Grande Zoa ce serait un homme, on dit ça. Si de toute la semaine on ne la voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des Saint-Pères, décorateur et antiquaire. En complet veston, plein de décoration, elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la Grande Zoa met ses bijoux chez Chinchilla. Et puis à minuit, la Grande Zoa autour du cou met son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on ne se rend compte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Attends, c'est chérie, il y a une notice. Moi, je ne sais pas faire. Bonsoir. C'est une frange énorme. Bonsoir. Ce que je veux dire, c'est le film de Bertrand Blier, bien sûr. Ce qui a été important, c'est bien sûr, il aime la femme que je suis, mais bien sûr, il a été chercher la pute, bien sûr. Mais ce que j'aime chez Bertrand, c'est qu'il a été chercher plus que la pute, la prostituée, mais la femme que j'étais en moi. C'est vraiment très important. Et il me l'a fait, elle m'a fait 2 minutes, ça me glace. Bonsoir Thierry. Bonsoir. C'est extraordinaire. Bonsoir. C'est qui ça, c'est Isabelle. Dites-moi, je voulais pas venir dans votre émission, mais je suis là. Posez-moi vos questions. Et... difficile pour moi. C'est très difficile. Dites-moi, est-ce que vous voulez me dire? C'est vrai.
Je vous écoute. Elle est extraordinaire. Quand tu étais avec Laurent Gérard, vous faisiez des imitations tous les deux? Ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça devait être drôle. J'aime faire l'amour avec des gants. C'est tout un style, assurément. Ça vous étonne, moi pas vraiment. Le plaisir est si important. J'aime faire l'amour avec des gants. Des gants de peau, évidemment. Sur la peau, j'en fais le serment. Ça fait frémir tous mes amants. C'est un petit truc en plus que je rajoute à tout ce que je fais en plus. Tu t'en doutes. C'est un petit truc en plus que je rajoute à tout ce que je fais en plus. Tu t'en doutes. J'aime faire l'amour avec des gants. Souvent, après les enterrements. Des gants violets très excitants. Et les chagrins durent moins longtemps. J'aime faire l'amour avec des gants. Et je peux dire élégamment, plus fort que tous les remontants. Ça vous réveille les sentiments. C'est un petit truc en plus que je rajoute à tout ce que je fais en plus. Tu t'en doutes. C'est un petit truc en plus que je rajoute à tout ce que je fais en plus. Tu t'en doutes. Vous parlez d'un péché mortel qui traîne sa vie à tire-d'aile pour ce jeune homme de bonne famille qui aime un petit peu trop les filles. Pourtant, si j'étais lui, je ferais attention tout de même. Pas tous les jours qu'elle dit je t'aime. Petite Marie, la petite Marie. Pourtant, si j'étais lui, je ferais attention tout de même. Passer sa vie sans un je t'aime. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est vrai que je suis son péché mortel. Sans doute pour lui que je suis celle qu'il ne fallait pas rencontrer, qu'il n'aurait pas dû regarder. Vous parlez d'un péché mortel, moi qui croyais être véniel, pour ce jeune homme de bonne famille qui aime un petit peu trop les filles. Pourtant, si j'étais lui, je ferais attention tout de même. Pas tous les jours qu'elle dit je t'aime, la petite Marie. Pourtant, si j'étais lui, je ferais attention tout de même. Passer sa vie sans un je t'aime. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Ouais. Yes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.